Chérie, je t'en prie, excuse-moi beaucoup. Parce que quand j'avais connu le gars là, il n'avait rien. À cause de ce gars là, j'ai connu toutes les souffrances de ce monde. Mais bon, j'ai envie de dire, donne-moi bon, parce que si donne-moi, dis-moi, allez, donne-moi pour Hamillon. Pas ce moment, donne-moi. Mais vous êtes bien, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. J'étais occupé ici, non? Autant on a remarqué ça. Et je ne vous connais pas. Toi, tu les connais? Au moins, votre femme, elle veut nous connaître. C'est ça, elle a tout mis de la demande. Ah oui, tu es mon nom, mais bon, tu dois voir ta réunion ici. Qui ça? Ah, le monsieur là. Non, tais-toi, t'es tranquille. C'est pas ta réunion. C'est le mari de votre femme. Assieds-toi au souhait, mec. Non, est-ce que c'est pas mari? Non, à ce tout dit. Il me tient vous d'abord, oui. Monsieur, vous êtes en train de commettre une erreur. Comment ma femme serait là et vous vous amenez un homme ou bien je ne sais pas si c'est un jeune et vous dites que c'est son mari? Il n'est pas un jeune. Ouais, je ne sais pas, regardez sa tête, je ne sais pas. C'est toi non, qui es le grand frère. Il est né comme ça, laisse-lui. Ah bon? Il faut oublier l'affaire de tête là, c'est pas ce qui nous a amené ici. Je vois. Mais maintenant, j'ai pas besoin d'un gardien dans la maison. Gardien? Qui est gardien? Ton second a une torche en main, on ne sait pas ce qui nous a. C'est à cause de torche là que tu me considères comme gardien. Ça c'est pour les ennemis. Qu'est-ce que tu as torche en main, torche en main? Qu'est-ce que tu as torche en torche en main? Vous qui prenez les femmes, tortues, la mime, mais aussi surtout vous là, elles ont une torche en main. Elles nous donnent une torche en main. C'est à moi, tu veux s'adresser comme ça? Comment adresser? Il y a un gardien de là. Tu le regardes. Avec mon frère, pas lui, ce qui nous a amené ici là. Il faut lui dire ça. Ok. Ah. Merci. Oh, ma frère, merci de m'avoir jeté la parole. C'est gratuit. Bonsoir, madame. Bonsoir. Il faut lui répondre, non? C'est ton mari, non? Attends. Ouais, mec, hypocrisie. Non, reste là. Moi, je te connais pas. Viens, gossi. Aujourd'hui là. Allez, non, attends. C'est qui le monsieur là? C'est mon mari. Qui? Qui est mari? Qui est son mari? Je suis son mari. Celui qui a. Et pourquoi ton mari? Pourquoi? Et pourquoi tu as dit c'est ton mari? J'ai dit pourquoi c'est ton mari? Mon mari, tu es. Amen, tu viens, on y a souti. Mon frère, attends. Où est l'autre enfant, Jolie, là? L'autre fille, là? Quelle fille? Jolie. L'autre fille, tu as de l'enfant? Où est ma fille? Ma fille, quoi, dis-tu? Vini, donc, le Jolie, l'eau. Je t'ai fait une fille et tu m'as abandonné avec la fille. Bon, disons, arrête Jolie comme hier. Jolie, où y a souti? Asia. Jolie. Je t'ai dit ça, là. Écoute-moi, si c'est ton frère là, je ne sais pas si tu vas lui pardonner. Comment? Parce que quand j'ai connu ma femme, elle était. La sécurité de Dieu. Non, laisse-lui, il n'a qu'à finir. Parle. Non, écoutez-moi, oui. Ma femme, quand je l'ai connue. Pas ta femme, tu vas dire la femme. La femme de Dieu. La femme du Messie, le rien pour tu viens, tu viens, il est. Ah, il a soutien. Combien? Ma frère. C'est un jeune qui t'a fait ça. Déjà. Allez. Non, vite. Oh. Mettez vos yeux. Toi, tu as pris son diplôme de l'Ondo. Mettez vos yeux. Bon, c'est ça. C'est ça comme diplôme. Attends. Et. Jolie en question là. Oui. Et quand moi j'ai connu ma femme, elle était toute petite. Si je savais que c'est toi qui était son père. Écoutez-moi, j'allais déjà te convoquer. Comment? Parce que la situation dans laquelle tu as laissé cette fille. Mais merci, mais tu m'as abandonné avec l'enfant. Et ma écoutez-moi, vous voulez le lire, Pio? Oh.
Et il connaît déjà. Bon, il a abandonné l'enfant avec sa maman. Et puis, il y a un peu de temps, 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 Ce que je voudrais faire comprendre à ton frère là, ou bien à ton petit, je ne sais pas, il veut lui poser la question de savoir si depuis là abandonné l'enfant joli là avec sa monsieur, maman. Mais s'il n'a pas abandonné, c'est une petite discussion. Il a donné le congé. Écoutez-moi, est-ce qu'il a demandé une fois d'appeler l'enfant? Il faut lui monsieur, demander. Monsieur, ne me décalez pas le sujet. On a appris que joli il y a soupé. C'est ça. C'est ça qui m'a amené ici. C'est toi, papa, des jolis là. Écoute-moi. Quand ton frère a abandonné cette dame avec sa fille, sa femme, qui ça? C'est son mari, non? C'est mon ex-mari, monsieur. Je vous ai déjà revisé ça. Écoutez-moi. Quand il les a abandonnés, c'est moi qui ai pris soin d'elle et avec son enfant. Et alors, maintenant, vous voulez me remercier à mon nom de Saint ou bien vous voulez me montrer votre ingratitude? C'est ce que. Qui est ingratitude? C'est une ingratitude. Un enfant que tu as abandonné depuis des années et qu'un homme a retrouvé et a pris soin d'elle jusqu'à ce que l'enfant s'est marié. Mais tu n'as plus le droit de se pointer. Donc, si on va venir chez toi pour te dire merci. Attends, tu fais chercher femme de tout là. Tu as consulté. Non, attends d'abord, ma frère. Tu as parlé belle français. Au moment où tu veux épouser, je vais épouser la dame, j'ai occupé d'elle. Oh, et ce qui veut dire, et au moment où quelqu'un d'autre a mis son enfant au monde, est-ce que tu as le droit de prendre sa dot derrière la personne là? Tu n'as jamais entendu si quelqu'un prend? Quelqu'un qui va laisser. Lui a dit qu'il a laissé. C'est une petite discussion. On lui a donné congé. Et toi, tu fais ça comme ça. Oh, moi, toi, tu veux épouser la femme là. Qui a consulté? Tu vas demander. Qui a consulté? Tu as vu la personne avec enfant. Tu as vu la personne avec enfant. Ben, pas tchao, oui. Et plutôt, oui. Ce qu'on va faire, vous allez quitter ma maison. Sinon, je vais appeler la police. Il a dit sa femme. C'est mon ex-mari. Écoute-moi, parce que ça, on appelle ça violation depuis des années que tu les as abandonnés, tu sais ce qu'elle mange jusqu'à l'heure où nous parlons. Vas-y. Est-ce que tu sais? Tu n'as même pas en tant qu'homme. Bon, mais qu'elle a banni, on a banni, on a banni. Elle a banni, mais on a banni. Mais c'est ton ami, dans son banni, là, toi, tu sais. On t'a banni, elle est innocente. Mais on a banni, à ce moment-là, on vient dire, on a banni. Maintenant, est-ce que vous pouvez sortir de ma maison? C'est chez notre femme. Dégagez! Qui a dégagé? Comment dégager?